Alors, bienvenue à EDM Stories épisode 8. Kungs à l'Olympia. À peu près inconnu du grand public il y a un an, Kungs se paye le luxe de se faire plagier par Tiesto. Kungs. Tiesto. Mais se paye aussi le luxe de jouer à l'Olympia. Le jeune Frenchie dont la planète électronique ne peut se passer va se produire à l'Olympia le 15 mai prochain pour un tout nouveau show, pré-vente à partir du 10 février. Son évolution en si peu de temps est tout bonnement incroyable. Surtout qu'il se retrouve sur la main stage du Tomorrowland cette année. Ça fait une semaine que Tomorrowland dévoile chaque jour une partie de son line-up. Et jusque-là, on aura droit, entre autres, à beaucoup d'artistes. Je vais pas tous les énumérer là, mais en voici déjà quelques-uns. Alors ça te donne envie? Ah ouais, la vente belge et les préventes sont parties en moins d'une heure. Martin Vorwerk, si t'es producteur, ce nom te dit peut-être quelque chose. Sinon, pas tellement. C'est un ghost producer, un producteur fantôme, et c'est à peu près le plus célèbre de la planète électronique. Il produit habituellement dans l'ombre pour d'autres artistes. Il est par exemple à l'origine des titres Epic, qu'il a produit pour Sandro Silva et Quintino, ou encore Wakanda, produit pour Dimitri Vegas et Like Mike. Et là, il sort un peu de l'ombre, puisqu'il vient de produire un morceau sous son propre nom, en collaboration avec Mazarre et Matthew Steeper. Le morceau s'appelle You're the One, et c'est sorti sur Spinning Records. Si t'es producteur de niveau débutant ou intermédiaire, voire même avancé, je te conseille de suivre Martin Vorwerk sur les réseaux sociaux parce qu'il distille très souvent des conseils et astuces en termes de mixage et de production, et ça peut sûrement être hyper utile. Creamfields, cet énorme festival perdu dans la campagne anglaise, c'est-à-dire chez moi. Yes, I'm English and French, vient enfin de sortir l'After Movie de son édition 2016. En voilà un extrait. Le top 3 de la semaine. Gaffe, c'est que des remixes, comme ça t'es prévenu direct. En numéro 3, c'est le remix de Mogwai sur le titre Momentum de One Day Hero. C'est plutôt agréable à écouter. Numéro 2, c'est Throttle qui réinterprète à sa sauce le track Don't Leave de Snake Ship and Me. Il y a plein de petits détails cool à écouter dans ce remix, des petites réponses, tout est funky, groovy et joyeux. C'est pas mal. De cette semaine, c'est le Sextuor Slow Hours. Oui, oui, un Sextuor composé de 6 français, 6, avec son remix de What's So Not et Guns pour leur track Lone. Une petite perle future bass made in France. Ah ouais, la question à 25 cents. Qui a fait quoi dans le remix parmi les 6 producteurs? Si jamais ils matent l'épisode, on est curieux de savoir. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous aime, on vous aime, vous nous aimez. Tout le monde s'aime, c'est parfait. See you next week et blablabla.